Les lampions de la 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se sont éteintes ce lundi 9 août sur le site d'Atiekwa avec une note d'engagement de chaque frère à aller de manière concrète poser des actions de conquête en vue du salut des membres de leur famille. Dieu nous envoie en mission. God is sending us on mission. Chacun va en mission. Each one is going on mission au sein de sa famille. To his family. Une directive du Seigneur qui a résumé si bien la motivation centrale qui a soutenu la participation massive et active des saints à ces 40 jours de croisade, de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Malgré que le site était éloigné de la ville et plusieurs autres contraintes climatiques qui se sont dressées sur le chemin, les sœurs ont payé tout le prix pour se rendre jour après jour à cette convocation solennelle au pied du Seigneur pour intercéder pour le salut et la délivrance de leur famille. Plusieurs ont élevé les échelons de leur détermination en campant même sur le site pendant les 40 jours, s'exposant à plusieurs inconfortabilités liées à leur logement sous des tentes de fortune. Mais leur amour pour leur famille et leur désir de voir si établi le règne du Seigneur a su les encourager chaque jour. En instance d'intercession donc active devant le trône de Dieu, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire ont été équipés à chaque session par le pasteur Meunier des armes pour œuvrer efficacement à leur délivrance ainsi qu'au salut et à la délivrance de leur famille, de la malédiction divine et du règne maléfique des principautés qui, elles, fondent leur domination sur les péchés et les idoles qui règnent dans les familles. Pour les renverser, il faut que le croyant se tienne devant Dieu pour le supplier de pardonner tout péché et idolâtrie personnelle et familiale. Ainsi, les principautés n'auront plus de raison de régner sur les familles et Dieu donnera lui-même les ordres pour qu'il libère les familles, leur héritage dont ils s'étaient emparés et surtout toutes les conséquences de la malédiction divine. C'est-à-dire les maladies, la pauvreté, les blocages, les malheurs, les calamités, les opprobres et infirmités de tous ordres. La malédiction divine est une conséquence de la désobéissance de l'homme. Quand l'homme désobéit à Dieu, Dieu envoie la malédiction. Quand tu t'attaches au péché, when you bound to sin, tu t'attaches à la malédiction. You bound yourself to curse. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il a dit à travers ses prophètes, il faut se repentir. Si tu te repens, Dieu te pardonne et Dieu te restaure. Pour renverser les principautés, il faut s'attaquer aux idoles. Les idoles personnelles et les idoles qui sont dans les familles. Donc, chaque famille doit avoir devant Dieu au moins un intercesseur. Must have before God at least an intercessor. Qui va crier à Dieu. Who will cry out to God. Pour qu'il délivre de l'ivrognerie. For him to deliver from drunkenness. De meurtre, from murder, de la violence, from violence, de maladies héréditaires, from hereditary sicknesses. Dieu veut enlever. God wants to take it away. Mais il veut une rançon. But he wants a ransom. Il veut une intercession. He wants intercession. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Même dans le Nouveau Testament, c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. Even in the New Testament, it's the same thing. That is why Jesus made of us all high priests. C'est quelque chose que Dieu demande à tous les enfants de Dieu. It is something that God is expecting from each child of God. Dans chaque famille, un intercesseur. God is looking for an intercessor in each family. Pour une assemblée de maison, Dieu cherche un intercesseur. For a house church, God is looking for an intercessor. Pour une église locale, Dieu cherche un intercesseur. For a local church, God is looking for an intercessor. C'est une institution.
It is an institution. L'un des objectifs majeurs donc de cette bataille contre les principautés était la récupération de l'héritage personnel et familial desquels l'ennemi a pu s'emparer du fait de la séparation des héritiers légaux d'avec Dieu ou de leur ignorance concernant cet héritage. C'est à partir de telles exhortations que le pasteur Meunier a conduit les intercessions à chaque jour de cette croisade marquée par des proclamations. Que le faible dise je suis fort. Let the weak say I'm strong. Et ensuite, les envoûtements et les enchantements sont anéantis. Je suis un enfant de Dieu. That I'm a son of God. Je suis un enfant de Dieu. I'm a child of God. Par ma foi en Jésus-Christ. By my faith to Jesus. Par la vertu du sang d'adoption. By virtue je suis un enfant de Dieu. Je lève la main. I raise my hand. Contre toute chose. Against anything. Qui existe dans ma vie. That exists in my life. Contre la volonté de Dieu. Against the will of God. Je lève ma main. I raise my hand. Pour juger. To judge. Toute chose. Anything. Qui existe dans ma vie. That exists in my life. Contre la gloire de Dieu. Against the glory of God. Contre la gloire de Dieu. Against the glory of God. Célibat. Pauvreté. Maladie. Oppression. Opprobre, toute chose qui existe contre moi, against me, je le détruis, je renverse, I overthrow, je taille en pièces, I destroy, je taille en pièces, I cut to pieces, je taille en pièces, I cut to pieces, je taille en pièces, I cut to pieces, je proclame, I proclaim, la ruine totale, the total ruin, de toute chose, of anything, qui existe quelque part, that exists anywhere, dans ce monde, contre moi, me, je le renverse, I overplay, je proclame ma liberté. Go. Continue à prier. Speak to your father. Dis, oh Père, the oh Father, nous sommes là pour invoquer ton nom. We are here to call your name. Oh Père, oh Father, oh Père, oh Father, tu as les oreilles, you have ears, tu parles, you speak, tu agis, you act, tu as créé, you created, tu es le seul, tu es le seul. You are the only one. Nous venons auprès de toi. There's no one beside you. De présenter nos conditions. To present our conditions. Regarde nos misères. Look at our misery. Regarde nos échecs. Look at our failures. Regarde notre faiblesse. Look at our weaknesses. Regarde nos incertitudes. Look at our doubts. Nous sommes tremblants, craintifs. We are shaking, fearful. Pauvre, misérable. Poor, miserable. Nous t'avons abandonné. We have forsaken you. Mais nous revenons. But we are coming back. Parce que nous reconnaissons que c'est toi. Because we are acknowledging it is you. Merci pour ton salut. Thank you for your salvation. Merci pour nos péchés que tu as pardonné. For our sin that you have forgiven. Merci pour le Fils que tu nous as révélé. Thank you for the Son that you have revealed oh, us. Oh Père. Oh Father. En son nom. In your name. Nous sommes devant toi. We are in front of you. Parle-lui. Speak to him. Parle à ton père. Speak to your father. La prière pour la guérison des maladies a été aussi au rendez-vous. Dis au nom de Jésus-Christ. Nous brisons le joug de la maladie. We break the yoke of sickness. Nous brisons le joug de la maladie. We break the yoke of sickness. Nous écrasons le joug de la maladie. We crush the origin of sickness. Nous anéantissons le règne de la maladie. We bring to naught the reign of sickness. Le règne de la maladie. The reign of sickness. Que tous les frères malades. Let all the brethren that are sick. Guérisse de toute maladie. Be healed of any sickness. Guérisse de toute maladie. Be healed of any sickness. Pendant que tu poses les mains sur ta tête, tu reçois, tu dis je reçois la guérison de Say, toute maladie. I receive healing.
I receive healing. La guérison de toute maladie. I receive the healing from la any guérison sickness. De toute maladie. The healing from any sickness. L'exercice de l'autorité et des intenses moments de combat spirituel et de délivrance des possessions démoniaques. Tout esprit. Any spirit. Si tu sais if you know que tu es un esprit venu des eaux, that you are a spirit coming from waters. Va-t'en, vite. Go. Va. Quickly. Go. Va. Go. Va. Go. Va! Go! Libère-la et ne reviens plus jamais. Les frères font une intrusion dans le camp adverse, étant armés du puissant nom du Seigneur Jésus. Et plusieurs captifs sont désenvoûtés et libérés de toute possession démoniaque. Ramasse tout et va-t'en! Take all and go! Va-t'en! Go! Va-t'en! Go! Poussant des cris de tourment et agitant les âmes, les démons se manifestent et sont contraints de libérer les corps, obéissant à l'ordre de sortie au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que la présence du Seigneur répulse l'armée des ténèbres au cours de cette croisade. On dénombre les esprits en provenance des eaux, des forêts, des montagnes, du séjour des morts, des lieux arides qui sont chassés. On note aussi la délivrance des maris et femmes en esprit, communément appelés mari ou femme de nuit. Les esprits humains sont chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ et les âmes sont libérées en abondance. On enregistre au total 1718 personnes délivrées des possessions démoniaques et esprits humains et pour les 17 derniers jours, on a enregistré 2372 démons chassés. Le Seigneur a répondu effectivement aux cris de ses enfants qui sont montés à lui pendant cette croisade. On a enregistré au niveau d'Abidjan 1855 témoignages de guérison, de délivrance, de restauration, de réveil spirituel, de promotion socio-professionnelle, de déblocage et bénédiction de tous autres. Des fous ont été délivrés séance tenante. Dieu m'a guéri de la folie. Offrande d'acclamation. Le peuple de Dieu. C'est un enfant qui se promenait dans le village d'Atiekwa. Le missionnaire Alain la connaît bien. Il a eu à causer avec elle à plusieurs reprises. Alléluia. Et elle se promenait pratiquement à moitié habillée. Aujourd'hui, nous l'avons trouvée devant nos portes. Nous l'avons conduite à Christ. Nous avons prié pour elle, elle est revenue à son bon sens. Jésus-Christ. Acclamation. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Acclamation, acclamation. Jésus n'a pas changé. Prêche de la vie assise. J'ai regardé. J'ai dit non, peut-être c'est pas la même personne. Attends, je vais m'approcher. J'ai pris mon sac, je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Je l'ai regardé, je l'ai bien vu, je l'ai reconnu. Effectivement, c'est elle. Elle faisait une dépression très avancée à Jésus-Christ. Chaque fois, tu la trouves, elle crie, elle est nue. On a eu à échanger, elle m'a dit son nom. Et ce matin, je la trouve au milieu de nous. Acclamation. Des paralytiques ont jeté les béquilles pour marcher. Cette dame qui souffrait des douleurs aux jambes et qui ne pouvait se déplacer sans ce bois qu'elle tient en main, œuvre de la sorcellerie, elle a été authentiquement délivrée séance tenante après l'imposition des mains de l'équipe de délivrance. Lâche très bien même. Gloire à Jésus. Arrête. La canne pouvait maintenant être jetée car la sœur Élise peut maintenant marcher sans elle. J'ai fait les radios. J'ai fait scanner. Médicaments, si je ne bois pas, il ne peut pas m'arrêter comme je suis arrêté. C'est pourquoi je vais chanter un cantique qui dit embêté.
C'est quelle puissance que Dieu ne peut pas convaincre. C'est quelle maladie Dieu ne peut pas soigner. Et des dépressifs ont été guéris instantanément pendant la prière. Jésus-Christ. Jesus Christ. Offre d'acclamation. Let's clap. Cette croisade a été aussi un programme d'abondantes moissons. L'un des facteurs déterminants pour entrer dans les bénédictions de cette croisade était d'abord la réconciliation de toutes les âmes avec Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est très bien. Mais les démons croient et ils tremblent même. Il faut ajouter la sanctification. Il faut ajouter l'abandon du péché. Il faut que tu sois capable de dire que je ne fais pas telle chose parce que je crois. Je ne pratique pas le mensonge parce que je crois. Tu mens, tu crois, tu mens, tu crois, tu mens, tu crois, tu mens, tu crois. C'est la foi des démons. Tu crois comme Satan. Mais quand tu veux la bénédiction de Dieu, quand tu veux la bénédiction de Dieu, when you want the blessing of God, tu te sépares de la manière de croire des démons. Entre dans la foi vivante. Ce que la Bible appelle la foi vivante. Quand tu crois authentiquement comme les apôtres, tu te sépares du péché. Que celui qui veut prier, c'est loin du péché. Ne dis pas je suis religieux, je suis protestant, je suis catholique. Vérifie, est-ce que tu vis dans le péché? Si tu vis dans le péché, l'autre question, est-ce que tu veux abandonner ce péché maintenant? Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que celui qui veut prononcer le nom de Jésus s'éloigne du péché. C'est dans cette optique que le pasteur Meunier lance l'appel aux âmes à chaque session pour qu'ils fassent la paix avec Dieu et ceux pour qu'ils soient qualifiés pour entrer dans la bataille et remporter la victoire. Si tu veux laisser le péché, if you want to leave sin, au nom de Jésus de Nazareth, in the name of Jesus of Nazareth, si tu veux changer de camp, if you want to change side, si tu veux dire au revoir à la cigarette, if you want to say goodbye to smoking, to à la masturbation, to masturbation, à la pornographie, to pornography. Si tu es prêt, if you are ready, lève ta main, raise your hand. Venez ici devant. Come here in the front. Venez ici devant. Rapidement, come parce que nous devons front. Commencer la prière. Because we must tout start prayer. Tout cela, venez. All those ones, come. Venez rapidement de partout. Come speedily from everywhere. Ce sont en tout 3564 âmes qui ont été conduites au Seigneur pendant les 40 jours de croisade à Atiekwa et 452 baptêmes ont été enregistrés. De bonnes nouvelles qui ne pouvaient laisser les semeurs indifférents. Face à ces merveilles accomplies par le Seigneur au cours de cette croisade, une célébration lui était offerte chaque jour sous la direction des semeurs. Nos ministres de la louange qui ont assuré le ministère 24/24 étaient chaque jour au rendez-vous pour faire descendre l'Éternel qui siège dans la louange. Ainsi, tout en intercédant chaque jour pour leur famille et déposant au pied du Seigneur leurs différentes requêtes, l'Église a offert continuellement l'adoration, la louange et les actions de grâce au Seigneur en reconnaissance de ses grandes œuvres accomplies tout au long de cette croisade. Tu seras exaucé. Si ta famille est incrédule, aujourd'hui, elle sera sauvée.
les saints sont rentrés le 9 août qui marquait le dernier jour de cette croisade chargée de bénédictions, toujours dans un esprit de combat quotidien en vue de conserver les acquis de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Aujourd'hui, tu es béni. Au nom de Jésus. Quelle que soit la circonstance.